아, 잘, 건강해보고서 맛있는 거 Don't pull no one into your mind. If you say anything, never have a good time. There's a lot of things that you get in your mind. Well, actually, I'm forming. Oh, you can't keep on over. You may leave your PC in now, sir. I think by this time, you're not broke, sir. You may not be your brother. I'm a good one, yeah. The question by your little sir. Bonjour les gars, c'est comment? Nous là. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous me recevez bien. Oui, ça va. D'accord. On te reçoit. C'est super. Vous me recevez aussi? Oui, 5 sur 5. Donc, nous, merci beaucoup d'avoir ouvert le mythe. Donc, nous allons commencer à 10h05 au plus tard, le temps que tout le monde puisse rejoindre. Et
J'espère que certains n'ont pas de problème d'électricité parce que ces derniers temps-là, c'était en train de faire Ah bon, un on espère bien qu'on ne nous OK. coupe pas. On contrôle pas, c'est eux qui contrôlent. Exactement, exactement. Les autres, ils ont leur programme dans notre programme. Ouais. Donc on ne fait que subir quoi. Donc on prie fort Exactement. pour qu'ils ne coupent pas ce matin. Avant qu'on commence la réunion, j'aimerais savoir, est-ce que
aujourd'hui, c'est férié dans toutes les entreprises ou bien c'est seulement férié dans certaines entreprises? Parce que j'ai cru avoir lu que le gouvernement, il a sorti une note, mais il y a certaines entreprises dans lesquelles les gens sont en train de partir quand même en entreprise aujourd'hui, au boulot, quoi. C'est comme c'est férié, hein. C'est seulement les élèves qui vont composer, qui sont allés. Ah, d'accord, je vois. Je vois. C'est juste pour le fait que ce soit férié que j'ai mis ça sur 10 heures pour que dans la soirée, aussi. Mais bon. On On va espère juste entendre que un ça ne va peu. pas porter plus à plusieurs personnes. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, c'est top. Vous m'excusez si c'est en anglais. J'ai voulu un peu me mettre dans le mood des AI là. C'est ce qui proposait le plus. Aujourd'hui, nous parlons de des IA génératives en général. Donc, j'ai préféré tout faire avec elle. Et quelque part aussi, vous avez remarqué que même la photo du speaker et tout sont été générées par des Voilà. Dans notre mythe d'aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de prompting. Parce que voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui, pendant ces métiers vont disparaître à cause de l'AI. Moi, je pense que non. Ce serait plutôt une manière de faciliter la tâche à tout le monde. Mais si on n'est pas adaptatif, ça va être très difficile de pouvoir s'en sortir. Si vous avez utilisé et puis savoir utiliser une AI, c'est juste savoir faire du prompting avec cette AI-là. À l'AI, ce qu'on veut exactement, comment être précis,
comment pouvoir ressortir les points les plus essentiels de ce que nous voulons. Comme résultat, tout le monde connaît Microsoft. Bon, presque tout le monde connaît Microsoft Design. ChatGPT, Gemini et tout autre AI qui sont en train de naître aujourd'hui. Mais ce que tout le monde ne connaît pas exactement, tout le monde trouve facile, mais lors de la pratique, on trouve un peu difficile, c'est le prompting. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent une AI qui a des images pour générer des visuels? Donc, allô? J'imagine que non. Il y a Midjourney. Ah, ok. Il y a Midjourney et... On dit qu'il y a Canva qui fait ça aussi, mais je n'ai jamais essayé. Oui, Canva le fait. Quand on a l'abonnement pro, c'est gratuit. Ok. Moi, comme je n'avais pas le gratuit. Mais moi, c'est l'expérience que j'ai retenue avec Canva. Ah, ok. Mais l'expérience que moi j'avais quand je me verrais des premiers très, 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 très précis, sur une façon. Comme on le dirait, il a tendance à être un peu trop créatif. Donc, lorsque vous lui dites une chose, un seul mot de travers, c'est fini. Il part imaginer des trucs pas possibles, il les ressort. Et tout. Bon, je pense qu'en attendant que d'autres personnes nous rejoignent, nous allons tout simplement commencer. Donc, bonjour, j'espère que je suis Anilanda Pakou, développeur web et mobile, et je suis ambassadeur Microsoft Learn, student ambassadeur. Et en plus de ça, j'ai été lead du Google Developer Student Club pendant l'année passée, c'est-à-dire l'année scolaire 2023-2024. Je suis encore dans mon mandat, mais officiellement, c'est fini. Je n'ai pas encore de remplaçant pour le moment. J'espère que ce sera pour très bientôt. Concernant le côté professionnel, je suis développeur web mobile Flutter. Au niveau de Journée du Code, qui est une start-up ivoirienne, c'est qui crée des logiciels ou des applications pour mettre sur le marché. C'est un peu comme ce que Microsoft ou Google a fait entre-temps, en imaginant des solutions, en les sortant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui à vous parler de
de Microsoft. Je vais trouver dans une chambre ambassadeur de Microsoft et je ne je suis je suis mon rôle c'est de faire l'apologie des produits Microsoft Learn ou Microsoft en général. Et en contrepartie, je profite de la notoriété de Microsoft pour pouvoir déployer un peu mon développer un peu mon plan de carrière et tout. Voilà. Dédié aux étudiants qui et de faire leur apologie des ressources Microsoft et de faire leur apologie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Microsoft Learn? Donc, le programme Microsoft Learn, c'est un ambassadeur en général. Moi, je ne connais pas. Vous pouvez m'en dire plus comment... Pourquoi on a dit Microsoft Learn? Comment ça fonctionne? D'accord. D'accord. Je commence par où déjà? C'est un sujet assez vaste. Donc, on va faire... Comme je l'avais dit, c'est un programme mis en place. Et là, ce qui... Bonsoir à tous. Oui, c'est bonjour. On n'est pas encore arrivé au bonsoir. Ça va bien? Vous me recevez? Oui. Et il faudra continuer par parler un peu pour qu'on puisse dire oui, c'est vraiment reçu ou pas. Hein. En fait, on te reçoit mal. Genre, il y a, comment je vais dire ça, ça coupe en fait. Il y a, je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça dans le chat. Allô? Vous me recevez? Oui, continue de lire là, ou bien de faire une citation, comme ça on va confirmer réellement quand tu reçois. Ok. Ok. C'est quoi tu vas citer ce matin? C'est quoi je vais citer? Non, je ne suis pas littéraire. Donc, je suis en train de parler du programme Microsoft Learn, Student Ambassador. Et je disais comment on fait pour postuler. J'espère que tout ce que j'avais dit avant était passé. Yannick, si tu es encore en train de parler, on ne te reçoit pas. Enfin, moi, je ne te reçois pas.
Et en fonction du moment où vous avez postulé, vous allez faire partie d'une vague ou une autre. Et il y a une chose aussi, un conseil j'aimerais donner dans cette histoire de c'est donc s'il y a un conseil que je vais donner à tous ceux qui veulent postuler Grâce, si tu nous entends, on ne t'entend pas. Le truc ne au fait que programme de Microsoft couper Learn. l'électricité. Alors, est-ce que tout le monde tout le monde est là? Vous me recevez par contre, moi? Oui, on te reçoit bien. Ok, d'accord. Et Yannick va se déconnecter, reconnecter pour pouvoir régler le problème de micro et puis il va revenir. Joe, c'est comment ce matin? Oui, ça va super bien. Je dis Alhamdoulilah, maintenant ils vont demander quelque chose. Ils vont demander si tu es musulman. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Je me suis Ok. levé à 6 heures pour bosser, donc ça va. Ah, yafoy, Ok. Alors, la séance d'aujourd'hui, ça parle tout simplement de design et d'utiliser les intelligences artificielles pour pouvoir faire des designs et créer des choses. Comme le dit bien ChatGPT, unleash your creativity. Ça, c'est un mot ou bien une expression que j'ai bien aimé de chez ChatGPT. Je ne pense pas que si ChatGPT n'existait pas, on va trouver cette expression-là qui dit Unleash your creativity with Microsoft Designer. Je ne pense pas. Et partout, tu vois Unleash your creativity et tout, tu sais en même temps que oui, ChatGPT a frappé fort là-bas. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Microsoft Designer. Et si Yannick est de retour et que son micro, ça teste bien encore, on va continuer. Microsoft Designer, c'est le produit de Microsoft. Il fait du design et ils ont intégré. Avant, ça faisait du design simple. Toi-même, tu vas dessiner ce que tu veux dessiner. Mais là, maintenant, ce qu'ils ont fait, ils sont allés à l'étape supérieure en intégrant l'intelligence artificielle. Et comme ils ont acquis OpenAI également, ils ont frappé très fort pour pouvoir donner des instructions tout simplement. Et puis, voilà. Tu as ton design direct. Certes, ce n'est pas un design qui est top, 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 top. En même temps, mais le design que tu auras, c'est-à-dire que tu peux toutefois utiliser une partie pour modéliser quelque chose que tu veux, ou bien tu peux ajuster ce que tu veux, en fait. Je ne sais pas si parmi vous, actuellement, il y a eu des gens qui ont utilisé, et comment on appelle ça, DALL-E, ou bien et c'est Picasso? Non, c'est pas Picasso. Da Vinci. Il y a quelqu'un qui s'appelle quelque chose là. Midjourney, voilà, c'est ça même, c'est ce que je cherchais. J'ai eu à utiliser Midjourney dans sa version gratuite. Et on accédait par Discord pour pouvoir l'utiliser. Je l'ai utilisé, j'ai été ébloui par les images que ça génère. Des images en HD, super top, comme cette image-là que vous voyez à l'écran actuellement. C'est très magnifique et très, très, très réaliste, en fait. Donc, Midjourney, ce n'est pas ça qui est intégré au niveau de
MS Designer, mais plutôt c'est DALL-E qui est utilisé. C'est une partie de DALL-E est utilisée dans MS Designer. Évidemment, on ne peut pas vous laisser tout gratuitement. Donc, ils ont laissé une petite partie qui va toucher DALL-E et puis va vous générer vos images. Parmi vous ici, est-ce que quelqu'un a déjà testé la création d'images avec Microsoft Designer ou bien même Bing, Bing Chat? Est-ce qu'il y en a? Oui, je vois des mains. Oui. Qui est maintenant? Qui a déjà utilisé pour Skype? Bon, moi, j'utilise Skype et dans notre société, on l'utilise pour des fins de communication et tout. Donc, dans Skype, en même temps, moi, j'ai la possibilité d'utiliser le Bing Chat qui est intégré à Skype. Et tu peux créer ton design. Genre, tu te donnes l'instruction, il te crée le design. Tu cherches quelque chose tout de suite, il te donne ça tout de suite, quoi, en fait. Ça me facilite l'accès de pouvoir me balader sur les navigateurs web et de revenir pour pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est super intéressant. Et je vous recommande, si vous voulez créer une image super réaliste tout de suite ou bien un fond, ceux qui aiment faire des vidéos et puis mettre des fonds de New York, Empire State Building ou bien de Statue de la Liberté là, vous pouvez faire ça là-bas. C'est bon, non? Mon cher Yannick, est-ce que tu es là? Vous me recevez? Je suis de retour. Maintenant, je ne sais pas si vous me recevez ou pas. Voilà, moi je te reçois quand tu as parlé longuement. Donc, on peut continuer. Super. D'accord, merci beaucoup à Geoffrey pour le relais. Donc, merci beaucoup pour avoir déjà introduit Microsoft Designer. Et donc, comme Geoffrey le disait, c'est un outil qui a été développé par Microsoft aujourd'hui afin de pouvoir permettre à ce qu'on puisse non seulement éditer des images, mais aussi en créer des prompts. Parce qu'avec, lorsque vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des illustrations, par exemple Photoshop, ça donne à tout le monde. Parce que il faut avoir un sens de créativité quelque part, une manière une affinité avec de l'art déjà. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire de très beaux visuels avec Photoshop. Pas parce qu'ils ne savent pas utiliser l'outil, mais parce que n'est pas inné en eux, quoi. Voilà. Donc ça fait qu'ils sont bons en Photoshop, mais ils ne font pas des affiches waouh ou superbes waouh, parce qu'ils n'ont pas, ils savent pas quoi vraiment il faut mettre ou quelle couleur agencer à l'autre et tout. Encore ça, on peut apprendre ça. Voilà. Donc Microsoft Designer à la base était créé pour juste pour faire de l'édition d'images, un peu comme Photoshop, la création d'images, l'édition et tout. Maintenant, la partie qui est ajoutée grâce à des AI, des EDM qui permet par exemple avoir une première image ou une première proposition et ensuite éditer cette proposition-là. Voilà. Donc, ça fait carrément, ça vient carrément ajouter une partie tout le monde à l'outil. Voilà. Donc, pour ne pas trop parler, nous allons passer à... Voilà. Donc, les fonctionnalités les plus importantes, sur lesquelles Microsoft Design d'image, je l'avais dit, après la création du contenu. Voilà. Pour vous donner du texte. Et ensuite, vous avez d'abord du texte qui est généré, et ensuite, suivi par une image. Après, nous allons faire un test pour que vous puissiez voir. Vous allez pouvoir gérer votre branding de A à Z avec Microsoft Designer. C'est vrai que, bon, à un moment donné, pour
les assets que vous aurez généré avec Microsoft Design sur la marque que vous voulez créer, et ainsi de suite, pour que Microsoft Design puisse vous donner une idée ou une piste d'approche pour que vous puissiez aller un peu plus loin dans le travail que vous voulez faire. Voilà. Ça aide beaucoup sur le branding. Aujourd'hui, il y a une problématique qui se pose quant à la disparition des designers graphiques ou des concepteurs de logos et d'affiches à cause des AI qui sont nés. Mais est-ce que moi, personnellement, moi, je pense que c'est un faux problème parce que l'être humain, jusqu'alors, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la venue de l'AI fait déjà 5 ans. Voilà, vraiment, l'AI entre vraiment dans notre quotidien depuis 5 ans maintenant. Sinon, elle existait depuis, hein, mais juste qu'on n'y croyait pas vraiment. Il n'y avait que de grands rêveurs qui maintenaient l'idée, qui travaillaient encore en bac pour pouvoir pousser le projet. Mais depuis 5 ans maintenant, nous avons l'AI qui commence à entrer dans le quotidien de l'être humain. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu plus de peur que de mal jusqu'alors. Et l'avenir s'annonce un peu plus prometteuse, juste par le fait que nous ayons remarqué que l'être humain s'adapte très facilement à la venue de l'AI. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se laissent rendre obsolètes par les AI, mais lorsque vous faites un métier et que l'AI vient vous vient s'ajouter à votre quotidien, la seule chose qui est intéressante ou inaffaire, nous allons aujourd'hui, on a besoin d'un designer pour faire le tout. Oui, mais nous sommes combien à connaître d'abord Microsoft Designer ou à vouloir se donner du mal à apprendre Microsoft Designer avant de pouvoir commencer à travailler. La plupart des clients aujourd'hui préfèrent faire appel à un designer graphique pour qu'il puisse venir utiliser Microsoft Designer pour le sortir le visuel qu'il veut. Donc, quelque part, personne n'est remplacé par l'AI, mais plutôt les travaux des gens sont en créativité. Que lorsque vous ne vous mettez pas à jour, vous ne faites pas une veille technologique dans votre domaine, que vous deveniez obsolète. Donc, c'est un problème qui a toujours existé. Ce n'est pas l'AI qui vient ajouter ce problème. Il y a des points qui sont mis en avant, des points vraiment essentiels du design que vous voulez sortir, qui sont mis en avant. C'est d'abord l'harmonie des couleurs et tout. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je n'ai plus de l'art en partant des envies. Non, on part toujours sur une charte couleur ou une charte de composition de choses qui doivent marcher ensemble. Assemblage, quoi. Donc, ce qui revient à montrer que il est important dans la conception de quelque chose ou de ne pourrons pas nous lever un beau jour, nous prenons le vert, nous mettons le violet dedans, nous prenons un peu de fluo que nous mettons dedans. Ça ne va rien donner de beau. Voilà, à moins que nous trouvons une manière assez intéressante de mélanger les contrastes pour que les contrastes puissent matcher ensemble à un moment donné. Voilà, donc Microsoft Designer le fait à votre place. Voilà, ensuite, vous avez des typographies qui sont captivantes. Il y a des typographies propres à Microsoft qui sont aujourd'hui mises à disposition. Comme un peu comme avec les grandes entreprises qui font dans l'édition. Je pense qu'il y a Google aussi qui a des directives. Aujourd'hui, avec des images, et de demander à ce que ces images-là, au lieu de vous coltiner le travail du customiseur, qui va voir la taille de l'image, la résolution de l'image, est-ce que telle chose est claire? Est-ce que ça apparaît bien sur les grands écrans, les petits écrans,
moyens d'écran. Est-ce que c'est bon pour un site web? On enregistre en PNG, JPG, SVG, ainsi de suite. Microsoft Designer, par défaut, vous fait une image ou une illustration responsive, capable de s'adapter un peu comme un fichier SVG. Partout où vous mettez le fichier ou l'image, cette image-là se positionne bien. Voilà. Donc, ensuite, nous avons une galerie de base qui est proposée. Hein. Lorsque vous partez sur Microsoft Designer, lorsque nous allons partir sur les... Vous m'excusez beaucoup la partie littérature là. Elle est un peu importante dans le sens où nous avons besoin de comprendre vraiment que vous mettez par le socle déjà défini des illustrations qui en quelque sorte vous dit ou pose les bases de ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, avec votre travail, vous allez commencer à échanger un peu le prompt du template que vous avez pris et tout. Voilà. Ça vous permettra de pouvoir avancer un peu plus. Voilà. Donc, avec Microsoft Designer, aujourd'hui, lorsque vous prenez la version payante surtout, vous allez remarquer que vous avez la possibilité de travailler avec des outils de versionning. Voilà. Et donc, voyez, en équipe, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la collaboration ou les outils collaboratifs sont devenus les outils les plus utilisés aujourd'hui en matière de travailler en équipe. On est obligé de travailler aujourd'hui en équipe. Au lieu de travailler seul, vous travaillez, il y a des places, puis travailler ensemble avec des gens à la HP pour éviter que le processus, des processus qui dépendent d'autres processus, mais au niveau des transitions. Voilà, si aujourd'hui vous avez un outil sur lequel plusieurs personnes doivent travailler, et que vous ne mettez pas en place une manière ou un outil de collaboration. Mais si vous ne pouvez pas collaborer dessus, c'est que c'est peine perdue. Hein. Les gens vont l'utiliser une ou deux fois, mais ça ne va jamais grandir. Ce sont les gens qui travaillent en solo qui vont l'utiliser. Ils sont combien? Les entreprises qui font beaucoup d'argent à d'autres entreprises aujourd'hui, ce sont les grosses entreprises. Et dans ces grosses entreprises, ce sont des outils collaboratifs qu'on utilise parce que les gens travaillent toujours en équipe. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire des feedbacks sur les designs pour pouvoir dire aux collaborateurs de quoi changer et tout. Vous avez la possibilité de partager en live ou partager en audio. Vous avez les versions de, votre, de vos images ou de vos illustrations. Et ensuite, vous avez la possibilité de manager ou de redesigner toutes ces fonctionnalités là qui sont ici sont plus présentes au niveau de la version payante. La version gratuite, elle est juste là pour vous régénérer les images que vous pouvez éditer au minimum avec le minimum de marge possible. Voilà. Donc, vous le customisez, vous changez carrément les couleurs ou pas. Vous avez des librairies qui vous
Vous allez vous arranger. Donc, j'imagine que je vous ai... Vous avez une idée de ce que vous voulez avoir à la fin, du résultat que vous voulez avoir de l'objet. Ensuite, vous mettez en place un petit plan ou dans votre sur un papier ou carrément sur un support. Vous remettez à l'outil, à dire un peu son imagination à propos de ce que vous lui avez dit. Ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir commencer à modifier. Vous avez la possibilité d'inviter des collaborateurs pour qu'ils puissent travailler avec vous dessus. J'ai des problèmes de lecture. Voilà. Donc, je partage Teams. Console. Ok, je pense que j'ai partagé tout. Voilà. Donc j'imagine que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Faites signe. Peut-être un pouce. Oui, l'écran est visible. C'est juste le son qui ne nous favorise pas.
de création, de, d'illustration et tout. Donc, lorsque vous arrivez, vous avez la possibilité de partir sur un template que vous customisez directement au lieu de remettre ça à l'air. Vous avez aussi la possibilité de voilà, je suis de retour. Donc, à moins que je n'ai eu de... Bon, s'il y a eu de coupure, je pense que je vais faire un petit retour. S'il y a eu de coupure, je disais, nous allons choisir ce template-là sur lequel nous allons partir pour créer un petit visuel d'une petite fille, peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est super. Comment générer ces paramètres? Par exemple, ici, nous avons un prompt qui dit un portrait qui demande à ce qu'on crée un portrait d'une personne avec. Une couleur un peu douce avec un style et un entrée fait qui s'appelle Juneteenth, je pense que c'est juin, une fête en juin, je sais pas trop. Et ensuite il y a des descriptions qui vont avec. Donc les parties les plus importantes ici sont customisables. Et c'est pourquoi nous avons des inputs donc au lieu et personne par exemple ici nous avons la Juneteenth, ok, on peut dire birthday ici. Couleur, nous allons mettre du red. White. Et quoi encore? Holiday background, par exemple. Et nous allons se mettre. J'espère que vous êtes toujours là. Et que vous m'entendez. Voilà. Donc, dès que vous soumettez, il y a un petit processing qui va se faire. Et il y a plusieurs images qui vont être proposées. Je pense maximum 4 ou seront disponibles. Vous avez la possibilité d'étendre un peu pour pouvoir avoir plus. Et vous choisissez l'image que vous voulez. Vous pouvoir le modifier. Voilà. Donc, nous allons
patience. Des quelques sinon, tu as vu beaucoup de pays de capacité. Il y a déjà à faire s'appuyer directement, s'appuyer dessus pour pouvoir mettre en place notre AI, mais en choisissant juste les parties que nous voulons. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons des propositions de ce que nous avons demandé. Et je pense que. OK. Et que ce soit un birthday anniversaire. Voilà. Donc, vous allez remarquer que nous sommes dans le thème ici. Et donc, nous pouvons pouvoir télécharger directement. Voilà. Cliquant dessus, nous allons avoir un petit truc qui s'affiche. Nous avons le prompt que nous avons utilisé ici. Je vous partage le prompt pour que vous puissiez l'apprendre. Quand vous voudrez faire quelque chose ou tester de votre côté. Where is that? Bon, lorsque le chat va se charger, voilà. Je vous partage ça. Ok. Est-ce que là, je pense que j'ai beaucoup parlé sans regarder le chat. Est-ce que ça coupe encore? Oui, ça coupe là. Ça coupe. Oh là là. Mais ça doit être quoi le problème? C'est pas la connexion, par là. En tout cas, les prochaines fois, je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste partir sur Google Meet
Nous allons essayer de faire une collaboration avec le prochain club parce que Tim, tu es sur données mobiles ou bien quoi? C'est très intéressant, mais et donc s'il n'y a pas une très 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 bien facilement les coupures. Donc prochainement, nous allons faire en sorte à Google Meet qui est plus adapté ou qui a plus de facilité avec la consommation de la connexion internet pour que nous puissions éviter ces problèmes de coupure. Donc, nous allons voir le prompt que nous avons utilisé par cette position-là. Je pense que là, ça doit être bon. Vraiment. Voilà, donc. Donc, nous allons essayer d'éditer l'image avec l'éditeur d'image de. Voilà, nous allons recliquer sur le stylet pour pouvoir avoir la possibilité d'éditer notre image. Voilà, donc là, maintenant, nous sommes dans le studio de Microsoft Designer qui va nous permettre de pouvoir customiser l'image que nous avons créée ou nous avons eue grâce à Microsoft Designer. Voilà. Par exemple, là, nous avons la possibilité de remove le background, crop l'image, donc un peu fourni. Nous avons la possibilité d'ajouter du texte. Revoir un peu les couleurs et tout. Donc, au niveau des couleurs, qui va être directement appliqué pour que nous puissions changer les couleurs. Donc, quelque part, le prompting va vous permettre d'avoir quelque chose de base et après, maintenant, vous avez la possibilité de tout changer, la possibilité de tout modifier carrément en partant de. Voilà, j'en ai essayé de prendre une autre couleur aussi. Vous puissiez voir. Donc, vous avez la possibilité de presque tout en fonction de la possibilité de. Actuellement, nous sommes dans un mode qui se positionne entre la version payante et la version gratuite. Et donc, vous allez remarquer que nous avons une sorte de pièces ici qui nous permettent de savoir combien de pièces il nous reste pour la fonctionnalité qui sont possibles uniquement en mode payant. Voilà. Donc, c'est plus ça, vous avez la possibilité de changer ça, vous avez la possibilité d'ajouter du texte ici pour
dire our image par exemple, des couleurs, on met ça en white par exemple, on essaie de la mettre ici, voilà. Ensuite, changer la typo si nous voulons. De choses. Nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Nous avons la possibilité de mettre des formes qui nous permettent de pouvoir mettre des logos. C'est pour la data à utiliser sur des plateformes et tout. Vous avez la possibilité d'ajouter des médias. Et vous avez la possibilité d'utiliser des plateformes que vous pouvez utiliser pour pouvoir matcher avec ceci, c'est-à-dire utiliser ceci, changer le background. En enlevant le background et tout, et tout ce qui va. Voilà. Je pense que nous avons un peu fait le tour, je ne vais pas être trop long. Vous avez des choses que vous pouvez importer ici, la possibilité de demander à l'AI de générer ça, de créer ça pour voilà, vous avez besoin d'un graphique spécifique, vous dites exactement ce que vous voulez à l'AI et vous recevez ça. Vous avez une vidéo, vous pouvez choisir des vidéos ici ou les importer et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est. Je vais appeler ça le studio de Microsoft Designer pour qu'on puisse un peu voir ce dont il s'agit. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier prompt. Donc, maintenant, nous allons essayer un autre prompt. Mais pour ça, je pense que vous avez besoin de poser quelque chose. Vous voulez qu'on fasse quoi pour qu'on puisse essayer d'étudier un peu le comment nous allons constituer le prompt. Et faire le test pour pouvoir avoir un résultat que nous allons customiser avant de mettre fin à la présentation et prendre les questions-réponses avant de clôturer la session. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée d'une idée que nous pouvons mettre en place? Allô, vous m'entendez? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend. Ok, j'ai vu quelqu'un demander si on pouvait faire une affiche d'un event de MLSA. Ouais, je voulais juste faire une proposition si Paco est là. Paco, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ouais, juste que j'avais un peu du mal à accéder au chat, mais bon, maintenant, bon. Ah, il y a quelqu'un qui proposait quelque chose. Ouais, c'est ça. J'ai vu. Okay. On peut faire. On peut générer une affiche de l'événement de ce soir sur Python. Oui. Tu voulais dire quelque chose. Ok. Donc. Tu as entendu. Donc, nous allons essayer de ressortir un peu. Oui. Ouais, je vais t'envoyer le truc là, peut-être. J'espère que...
Okay. Introduction à Python. Je pense comme un micro. Programmation Python, quoi. Ok. Aïe. Je vois plus ton écran. Sérieux, je vois juste TLDV là. Ah bon? Ok, je vois maintenant. Voilà. Voilà. Je pense que là, le micro sonne mieux, non? Oui. Voilà. En tout cas. Ok. Donc, nous allons... Oui, en attendant, nous allons essayer de mettre en place un texte en français que nous allons. Non, même en français, il comprend français. Je vous assure que la connexion est bizarre. Oui, au fait, bon, personnellement, moi, quand je remets une question, je me dis, mais bon, il va poser. Donc, petite proposition, donc une affiche, n'est-ce pas? Le thème de ce soir, c'est quoi? Python. Regarde, les choses, la programmation avec Python. Python, ça, un quoi? Donc, la première des choses que nous faisons, c'est de lui dire d'abord que c'est une affiche. Les mots-clés d'abord de notre idée, c'est quoi? C'est que nous voulons faire une affiche. Ça, c'est le premier mot-clé, une affiche. C'est pour un événement, c'est pour une annonce, c'est pour un événement. Deuxième mot-clé. MLSA aussi. Affiche, événement. Voilà. Ensuite, cet événement est organisé par qui? Ou, bon, quelque part, ça fait partie où les mots-clés que nous devons ressortir doivent être les mots-clés qui doivent servir à mettre des informations. Puisque nous sommes dans une position de création d'un visuel d'information. Donc, ici, il va falloir, nous voulons sur l'affiche avoir le logo de la communauté. Donc, nous devons dire c'est quelle communauté. Donc, la communauté qui organise le truc, c'est une communauté qu'ils appellent Microsoft. Donc, en premier, c'est une affiche d'un événement pour pouvoir connaître un peu le mood ou la tendance dans laquelle nous devons être. Ensuite, nous allons dire qui organise pour pouvoir savoir le groupe. Est-ce qu'on est. Et pour finir, c'est quoi le thème? Tout ce qu'on met, mettons sur la fiche, on organise. Ambassadeur, ça, sur le thème. Voilà, pour le thème, c'est Python. Python. 101, c'est ça? Oui, Python, introduction à Python, tout ça là. Ok. Python, voilà. Donc, introduction à Python. Donc,
se tiendra en ligne. Avec comme intervenant, c'est quoi le nom de l'intervenant? Allô? Oh, Charlie, je parlais depuis, hein. Mais n'importe quel nom, hein. Ou bien tu mets des samos. Nous allons considérer qu'il s'appelle. Washiu. Hey, ah. Jeffrey avait répondu. Qu'est-ce que c'est? Je sais bien Washiu. Tu dis? C'est bien lui qui va présenter ce soir. Ok. Il parle. Donc, il parle. Avec comme intervenant le duc. Guima. Point. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons soumettre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait proposer des sujets? Allô? Allô, Charlie, on est avec toi. Ok, on est je pense que toi. Non. Donc, ok, je demandais s'il y a, quelqu'un qui voudrait ajouter des précisions. Si c'était une précision dans le prompt. Il y a Jeffrey du Ghana. Il y a Jeffrey du Ghana qui pose la question que est-ce que c'est en anglais seulement, on doit mettre ça. Sinon, Jeffrey du Togo. Jeffrey Logovi, tu peux répondre à Jeffrey du Ghana. Hein? Oui, ça de Jeffrey. Hein? Non, donc, pour répondre à la question, on n'est pas forcément obligé de parler anglais. Aujourd'hui, presque toutes les AI parlent toutes les langues. Bon, si tu lui donnes du texte en éveil, c'est pas sûr qu'il va comprendre. Hein. Mais, pour la plupart des langues formalisées ou internationales, ça passe. Tu mets du chinois, tu mets du français, de l'anglais, du mandarin. Donc, mais si tu mets de l'allemand et tout, il va comprendre pour qu'on puisse avoir un résultat. Donc, Donc, c'est le compte. Voilà. Donc, la magie est en train d'opérer pour que nous puissions avoir une affiche d'event un peu propre. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous pouvons prendre l'une des affiches et customiser l'affiche pour que ça puisse vraiment ce que nous exactement. Donc, on a que ça
que notre affiche soit prête. J'aimerais attirer votre attention sur des opportunités en e-learning et tout. Qui, voilà, je pense que c'est bon. Nous avons... Hé, hey, copilot là, il n'est pas normal. Mmh. Pourquoi il va mettre fille là-bas? Et gomme, hein? Mais c'est joli, hein? C'est quelque chose, hein? Allô? Tu as écrit puis bon ton. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Et non. Je ne comprends pas. Le premier est bon. Hein, le premier. Pareil, les autres là, c'est bon, mais tu vois, je suis un peu raciste, quoi. Pour faire la fiche. Maintenant, est-ce que les comment il a écrit? Est-ce qu'on peut introduction bizarre, ton bizarre. Une image est-ce pour que... faire la fiche? Oui, on peut ajouter une image. Je crois qu'avant c'est ce que je faisais. Mm-hmm. Je sais pas si ils ont fait une mise à jour maintenant. Attends, est-ce que vous m'entendez même? Oui, oui. Je vous assure que la connexion est malade, quoi. Aujourd'hui, là, franchement, j'ai envie de fuir le pays. Ouais, pas pour le résultat, le rendu. Le rendu est joli, mais pour les autres, là, tu pouvais préciser chose dans le prompt. Peut-être que c'est un noir africain, quoi. Paco, tu es là? Oui. Et oui. C'est quel enfant ça? Enfant tech là. Oui, on peut importer une image. On peut importer une image. Paco, tu es là? Et oui, vous pouvez la souhaiter la visiter encore, ma. Ah, Jeffrey, tu as là, tu veux partager ton écran, on va continuer. Oui, je disais qu'on peut. On vient de modifier. Attends, c'est moi ou bien Paco parle et puis je n'entends pas. Non, c'est pas toi. Je t'entends bien, ah, mais okay. Lui là par contre. Voilà. Donc c'est... il y a eu un peu de précision maintenant. Eh, hey, 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 c'est ça. Donc moi, est un Togolais maintenant. Oui, la production là, il a écrit mal. Paco, attends, s'il te plaît. Je vais faire une capture d'écran de ça là. Je vais mettre ça sur Twitter, quoi. D'accord? Non, introduction là. Il a mal écrit introduction, non? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est... oui, je vois. C'est très joli. C'est bon, mon capture d'écran a été pris. Tu peux continuer. Mais il a mal écrit introduction. Comment lui va l'écrire introduction? Ou bien c'est toi-même qui as écrit ça comme ça?
break my name. You, voilà. Donc, you catapulte my name. Donc, je pense que normalement, nous pourrons modifier ça. Hein. Nous allons essayer de modifier. Nous allons essayer de modifier le texte. Même introduction à Python, je pense. Normalement, on doit pouvoir modifier ça. Normalement. Hein. Oui, tu vas cliquer sur ça, c'est possible. Avec la version que nous avons. Oui, c'est possible. En fait, c'est toujours en modification. C'est toujours en. C'est la version bêta actuellement, Rose. Même ça, là, c'est toujours bêta. Quoi. Ils sont en train de mettre à jour tout ça, là, avant de lancer ça, même. Mais actuellement, on peut utiliser. Avec Microsoft Copilot Designer, expert designer. Ce qui est intéressant aussi, le truc est directement sauvegardé dans ton OneDrive. Tout ce que tu fais là, c'est tracé quoi. La connexion. Allô. Allez, je suis là. Allô. Ouais. Ok. Donc, je disais que avec la version que nous avons, nous ne pouvons pas encore changer. Non, pour le moment, c'est la version qui existe. Je crois que. Nous restons optimistes. Nous l'allons. Veuve de Microsoft. Voilà. Donc je pense que nous sommes. J'ai partagé le compte avec vous. Nous sommes à la fin de notre présentation. Tu peux envoyer le prompt dans le chat. Le prompt. Oui, le prompt a été envoyé. Sérieux? Ok, je vais attends voir ça quoi. Mais le je crois que là, c'est possible de modifier. De? Je crois que c'est possible de modifier. De modifier. Edith, ah bon? Tu as pas y a Edith à côté là-bas. Il y a Edith à côté de télécharger là. Ah, tu es dans Edit là, ça? Oui. C'est pas possible. C'est maintenant. C'est pas possible de changer. Tu as cliqué sur le test. Sur le test, ça ne passe pas. Le test ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Non, il y a test. Il faut cliquer sur le test à côté là. On va ça faire quoi? Ça ressemble un peu à Canva. Hein. Le. Quelque part de Canva. Les gars, moi, je fais mes trucs avec photo. Il y a là jusqu'à présent. C'est bizarre. Tu demandes quelque chose. C'est une image, ce n'est pas modifié. Ok, où est le truc hein? Où est le prompt? Tu ne m'as pas envoyé le prompt. Envoie ça dans le chat, je vais voir. Ok, c'est ça, j'ai vu ça. Burema Wahiu. Désormais, celui qui rate mon nom, je vais l'amender, il va payer, je vous assure. Monsieur Washu Burahima. Washu. Washu. Washu Burahima. Toi, tu... Ça, c'est Yakuza. Toi, tu me provoques, je dis. Washu Burahima. Aïe, ce que vous et oui, tu n'as pas arrêté le record depuis dit des trucs comme ça dans ton coin. Non, sérieux. Le truc m'a généré quelque chose de différent chez moi en fait. Et c'est très joli, c'est différent aussi.
Oh, chez moi, il a bien écrit. Il sait. S'il décolle là, je vais lui frapper. Chez moi, il n'a pas décollé. La seule chose que je veux avoir aujourd'hui pour les IA là, c'est seulement le truc là, trouver les pilotes pour les machines. Aïe, on souffre pour ça. Si on peut trouver une intelligence artificielle qui peut nous trouver tout un paquet, une machine. Ouais, j'ai créé quelque chose comme ça. Ouais, j'ai créé une IA comme ça. Hein. J'ai mis en place une IA qui fait ça. Sérieux? Ils sont mal. Bon, les gars. Oui, merci d'avoir pris part à notre visite. Est-ce que vous me recevez? Oui, on t'entend. Oui, on te reçoit. 5 sur 5. OK. Et merci beaucoup d'avoir pris part au meet. J'espère que c'est de Microsoft Designer. Et nous restons optimistes sur le fait que la version qui va être disponible définitivement puisse vraiment être une version qui va nous permettre de révolutionner en quelque sorte nos affiches que nous faisons. Voilà. Donc, en fait, si tu avais utilisé la version, la version 0 était plus archaïque que ça. C'était dégueulasse. Ils ont fait une vraie mise à jour par rapport à ça. Oui, et ils ont même changé le logo. Ouais, je crois bien. Mais je crois que le prompt... Il gère bien les prompts en anglais qu'en français. C'est vrai qu'il accepte les autres prompts, mais il gère plus les prompts en anglais qu'en français. Il le gère bien, en fait. OK. Tu vois, par exemple, quand j'ai pu générer un là, il a bien écrit les choses, en fait. C'est plus. Donc, je vous partage le... Oui, il y a une session ce soir, hein, mais c'est en Python. La présentation. Qui demande d'autres sessions sont prévues ce soir? Ouais, Jeffrey du Togo. Oui. Je vous partage le PowerPoint avant de...